Voilà, bonjour tout le monde, normalement c'est bon, tout est prêt. Désolée, j'ai envoyé mon tweet beaucoup trop tôt, mais en fait j'ai pas fait exprès de l'envoyer et je l'ai pas supprimé. Mais j'étais pas prête quand je l'ai envoyé pour dire que le stream allait commencer. Du coup, c'est parti. On va lire les infos. Moi je suis triste, j'ai perdu mon stylet. Tu veux le mien? Non, attends, mais il y a des stylets sur mon bureau, tu peux pas dire ça. Mais non, mais mon stylet de gamepad. Oui, c'est pas grave. Si, c'est grave. Moi, je sèche. Voici venir les chroniques de Chromapolis. Vous préférez la danse ou vous votez pour le chant? Tout ça l'urne festive, elle est au pied de la tour. Tout de suite, voici les nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Il y a du nouveau côté des armes. Ah oui, bah du coup... En fait, j'ai pas joué à ce jeu depuis... Bon, 3 semaines, on va dire. Ah bah du coup, je t'entends plus, Milu. Oh. Pas normal. Ton volume a diminué d'un seul coup en fait. Ah ouais? Non, moi aussi je suis en train de lire le chat de Ayo et Oli. Ouais, non, le micro il fonctionne bien pourtant. Bah oui, mais je peux pas monter ton son, donc comment je fais? Bah, je sais pas. Je pire pas. Le son du jeu. Bah oui, mais on m'entendra déjà super fort, je suis sûr. Par rapport... On entend plus Milu? Oui, je sais qu'on l'entend plus. Je sais pas, c'est l'ordi qui fait des bêtises avec Skype, je sais pas. Parce que moi, le micro fonctionne bien, je veux dire, il peut bien, ça, il sature presque à la limite, quoi. Ouais, mais là, je peux rien faire de différent. Et dans le gestionnaire de trucs. Non, bah, il est pas diminué. Pourquoi? Ah, mais oui! Ok, c'est vrai que comme l'ordinateur il est nouveau, il y a plein de réglages qui sont pas faits. Ouais, et ça a diminué le volume du réglé automatiquement, là. Je vais relancer. Bah non, je peux pas relancer le stream. Oh, ça m'agace. Et bah tant pis pour Milu, tant pis pour les gens qui vont spammer mon pseudo pour avoir une ligne rouge horrible dans le chat. Merci de gâcher mon stream. Non, je plaisante. Si tu veux, je peux kick toutes les personnes qui ont fait ça. Bah ça fera quand même une ligne rouge, tu sais. C'est pas grave. Bon, ton son est remonté, donc Milu fera des sons bizarres, hein, parce qu'on n'a rien préparé, on est très intelligent. Mais pourquoi tu vas pas sur Skype pour enlever les trucs? Parce que je sais pas où c'est. C'est dans ton Skype. Ton Skype, il est devenu bizarre, en fait. Bah tu vas dans Skype et ensuite il y a une espèce d'icône là de Wi-Fi, tu cliques dessus et dans les microphones et haut-parleurs tu décoches les régler automatiquement le volume. Ah tu parles de ça? Bah je suppose que c'est ça le problème, non? Mais il est pas coché. D'accord, bon bah alors je sais pas quel est le problème. C'est que les haut-parleurs. Ah bah c'est ça alors. Bah oui. Pardon, je croyais que c'était le micro. Mais c'est pas mon micro qu'on veut régler. Parle pour voir. Salut. Je pense que ça ira. Bonjour. J'espère que vous m'entendez aussi bien que Milu. Je ne vous entends pas. Oh, je rigole. Donc, on en était au fait que j'ai pas joué depuis 3 semaines, du coup, je sais pas qu'il y a des nouvelles armes. Mais ça, vous allez vite vous rendre compte que c'est un mensonge puisque j'ai voté pour ma team. Ouais, mais on prend vite fait. J'ai allumé la console, j'ai voté et je suis parti, quoi. C'est le stage dédié au combat rapproché. Tir au fusil depuis les hauteurs, c'est fun aussi. Fait toujours bon ici, un vrai délice. Et le lotissement filament. Nouvelle map. Je n'ai fait qu'un combat dessus. Moi non plus, je connais pas ce niveau. Alors. Du coup, j'ai un magnifique t-shirt Splatfest. Trop mignonne, ira avec une bonne qualité. Bon, bah ça va, alors le micro il plaît. Le micro ou? Le micro, ouais. Le micro. D'accord. T'as testé les nouvelles armes pendant le festival, Yari? Non, je viens même pas de. Le festival. Bon. Bah, de toute façon, je vais garder mes chaussures. Je sais pas quelle arme jouer entre mon épinceau et mon rouleau, en fait. Je vais rester avec ça. Bah, commence avec le rouleau, je pense. Après, tu changeras si jamais tu tombes sur une équipe trop nulle. Bah oui, mais moi, j'aimerais bien devenir forte avec les pinceaux. Faut bien que je joue avec un jour. Ouais, mais je sais pas. Mais comme je connais pas le lotissement de filament, c'est vrai que je préfère faire du. Bah, je sais pas, parce que là, je me dis, en plus, ça dépend franchement beaucoup des teams avec lesquels tu vas être. Parce que toi, en tant que pinceau, tu vas pas vraiment peindre, tu vas tuer. Et si t'es coéquipier, ils peignent jamais. Chaud, quoi. Ah, en plus, Ayo et Oli, elles ont leur couleur normale.
Bon bah j'ai pas pu faire de dessin pour cette Splatfest, alors je suis triste. Je trouve que le son du jeu est trop fort soudainement, donc je vais le baisser. Ouais, le souci de... Ah bah non, j'allais dire le souci de Splatfest, c'est qu'on n'entend rien, mais là en Splatfest ça va, il y a la musique du jeu au début. T'es de l'homme team chant donc chante. Non, je ne peux pas chanter pour l'instant. On va faire des matchs privés, d'accord? On va faire des matchs privés. Allez, c'est parti! Enfin! Yay! Allez, Milu, on tombe dans la même partie, d'accord? On va essayer, ça serait cool. Ah oui, c'est vrai que du coup, comme on est en pleine Splatfest, je vais mettre 10 ans avant de trouver... Purée, par contre, là, en parlant de Splatoon, tout ça, là, on a été en vacances chez nos parents pendant en 2 semaines, là. Mais c'était l'enfer pour la connexion avec Splatoon, en fait. Vive la fibre optique, hein, sérieux. Bah, entre moi, ma maman qui vit perdue dans les champs, et toi, chez toi... Surplus de SFR partout. C'est pas... Ah, SFR c'est bon, en masse. Je suis une novice. Moi aussi. Je suis que niveau 29. Ah mais du coup, moi je vais pouvoir monter mon niveau? Je ne sais pas. Allez, moi je commence là sur le Sergoemon, ça y est, ça commence, hein, c'est l'enfer. Ah mais je t'avais dit que tu passerais toute la soirée sur la Sergoemon. Tu mais es lié à la Sergoemon. C'est pas grave, on est en train de gagner. Ouais, je commence à leur dire joli là, mes coéquipiers. Je sais pas si je peux dire qu'on est dans une bonne team, parce que... Oula. J'ai pas trop fait attention en fait. Tu sais qu'il y a un niveau 34, un truc comme ça. Je vais mettre une balise. En plus c'est trop bien, c'est ma couleur préférée pendant cette Splatfest. Couleur d'Inkling. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé. Ah bah du coup il danse. C'est moi qui voulais faire ça, je voulais danser quand je frappe quelqu'un. Bah non, ouais mais tu peux pas, t'es hein. Tu chantes toi. Tu mais voilà. Ça fait 3 semaines que j'ai pas joué, je sais plus jouer. Mais ouais, on a pas eu le temps là cette semaine. On voulait jouer à Splatoon pour monter un peu notre niveau. Parce qu'on a pas eu trop l'occasion d'y jouer quoi, pendant. Oh mince, il était là! Eh mais c'est la deuxième fois qu'il me tue en plus. Depuis la mise à jour, on a pas eu trop l'occasion d'y jouer. Alors on aurait bien voulu y jouer un peu cette semaine. Mais... Ah bah oui, moi je suis à peine niveau 29, je suis trop triste. Mais moi aussi je suis niveau 29. Mais bon, on a plein de travail alors c'est embêtant. Voilà! Oh purée, je suis désolée, hein. Les premières parties ça va être massacre de l'Irae en. On va se souvenir de bloc. Comment on joue à ce jeu. Oui, voilà, c'est ça. Comment jouer à Splatoon, s'il vous plaît? C'est pour ça en fait, c'est bien que j'ai pas pris les pinceaux parce que j'aurais fait encore pire. J'ai fait ma première mort! D'ailleurs, j'affronte une team danse pour commencer, ça va. Moi aussi. Oh, je me suis fait tuer 2 fois là, sérieux. Pas bon, hein. Je me fais tuer, genre j'ai bien joué, là il y a 10 dernières secondes, c'est bon, je me fais massacrer. Oh mince, mais il y a une... Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, ça peut te rassurer, le premier combat que j'ai fait, on a gagné. GG. Contre une team danse. Vas-y, j'ai envie de voir le nombre de kills que j'ai fait, là, parce qu'au début du combat, ouais. J'ai fait... Oh, j'en ai fait que 12. Alors attends, je suis avec un niveau 29, 34... Je sais pas ce que je fais, je tue des gens, mais c'est pas moi qui les tue, en fait. Prends le concentrateur pour la prochaine, Lirae. Mais jamais de la vie. Bon, je vais mettre une balise tant qu'on est là, hein. Si tu peux. Ah bah du coup, le niveau 19, il est parti. Il a été remplacé par Philippe, un expert en chant. Pardon. Bah ça va, expert en danse, expert en chant, ça va. Cette fois-ci plutôt que expert en pôle Nord. Je suis professeur en pôle Nord, je peux tout vous raconter sur le pôle Nord. Oh mince, 11, 12 et 14 et 18 dans l'équipe adverse. J'ai un doute concernant leur victoire. Non, bon. Oh les pauvres vers. Bah ils sont trop occupés à danser, ils s'entraînaient pas. Ouais, tu peux chanter en même temps que tu joues, mais par contre, danser en même temps que tu joues, ça passe pas bien. Ça. Voilà. Oh, je me suis pas fait tuer. Le miracle de la vie. Bon, ça sert à rien que je raconte ce qui se passe. L'image pour le chant est super moche. Oui, c'est vrai que c'est un peu effrayant. C'est creepy.
Quoi que je raconte tout ce qui se passe dans mon jeu, ça sert un peu à rien, vous ne le voyez. Mais si, on veut savoir ce qui se passe. Oh là là, j'ai vraiment rien fait. Ah, le skatepark Mako, je suis content d'y rejouer là un peu. J'aime bien le skatepark. Ah si, je gagne quand même des niveaux. Oui, oui, on gagne des niveaux. Oui, on gagne des niveaux. Ouais, un bonus de force. Tu pourrais faire un top quand vous lancez la recherche, comme ça on peut essayer de vous rejoindre. Le problème c'est qu'il y a un décalage, Kulala, donc tu n'arriveras pas à nous rejoindre, je pense. On peut faire un top pour nous deux, mais c'est tout, quoi. C'est même pas une bouche d'Inkling. Bah oui, mais si c'était une bouche d'Inkling, on aurait pensé que c'était un vampire, peut-être, je ne sais pas. C'est un vampire qui chante. L'image lag et la couleur est moche. Ah. Ah. Je vais regarder le stream après ce combat et je te dirai si c'est vrai ou pas. Bon, théoriquement, je sais pas si tu vois si tu as XP d'ouvert, donc théoriquement, déjà regardé. Après, oui, t'as diminué un peu la bitrate, peut-être ça aussi. Non, mais je suis d'accord avec la couleur, hein, c'est moche, c'est terne. Mais c'est exactement ce que je te dis que quand on fait le let's play. Oh bon, il monte ou il monte pas? Bref, tu sais, le let's play de Kirby. 3DS. Triple Deluxe. Il est super terne. Alors je sais pas ce qu'on a fichu. Bah je sais pas. Non franchement je sais pas. Hein. Je veux dire genre, c'est pas que... je veux dire on touche à rien en théorie dans les réglages. Bon qu'est-ce que je fais? Non mais ce massacre qu'on est en train de faire là, je me sens triste pour nos adversaires là. Oh là 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 là! Ils avancent pas, hein, ils sont bloqués dans leur base. On est tous les quatre là, quoi. Oh purée, mais pourquoi j'ai pas sauté? Moi, j'ai vu l'aérogun premium, j'ai foncé dedans. Hein. Hey, je crois que je suis pas encore tombé sur un seul aérogun premium là. Fantastique! L'aérogun premium n'existe plus. Il est passé de mode. C'est nul l'aérogun premium maintenant. Qui se souvient de l'aérogun premium? Bah attends, je vais aller regarder ton stream. Non. Bon, on a gagné encore. J'ai à nous, vous me chantez. Je pensais que je les avais tous eu. Je suis déçu. C'est vrai que... Ah, j'ai fait 17 kills! Bravo! Je suis mort 0 fois! Eh ben. Bah, c'est vrai que là, quand je compare à la. Quand je compare à ce que j'ai à la télé, c'est moins joli, mais je sais pas en fait. Je suppose qu'il faudrait en fait qu'on règle les. On règle les. Les captures là, comme ça, avec. Parce qu'il y a un truc pour modifier les couleurs hein, avec les captures, enfin les trucs de capture. Mais à chaque fois, j'ose pas le faire parce que je me dis, ouais, mais je sais pas si ça se trouve, c'est pas les vraies couleurs et tout ça. Mais faudrait comparer avec ton écran d'ordi là, il affiche bien les couleurs, je trouve. C'est des jolies couleurs. C'est normal, mon ordi est trop cool. Non, l'écran de ton ordi, hein, pas ton ordi. Il va, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais c'est pareil, ok. Je vais me faire haïr, j'ai choisi la team danser car je chante comme un pied. Et que j'aime pas parler. Mais tu sais, moi non plus, j'aime pas parler et je chante comme un pied. Mais tu vois, je préfère casser les oreilles des gens plutôt que de danser comme un idiot devant eux. Quoi, t'aimes pas nos parties où... Ah ! Où on n'arrête pas d'appuyer sur L en masse ? C'était pas de la danse. Mais si, c'est de la danse. Non. C'est de la provocation. Je vais pas regarder ce qu'on a affronté. Bon. J'espère que c'est des gens nuls. Non, je rigole. Ah, quelqu'un qui arrive. Oh là là, je sais pas si on a gagné. Ah, et quoi? Ah, c'est bon. Oh, ça y est, je commence à me faire tuer là, c'est pas bon. Hein. Bah alors, Milu. Hein, et tout à l'heure là, en 20 secondes, je me suis déjà fait tuer là, ça marche plus là. J'étais bon là. J'ai perdu tout mon talent. Moi, je suis avec Nobunaga, je ne peux que gagner. Bah oui. Il a une sacrée ambition, c'est pour ça. Bon, bah, le gars, il a placé sa fontaine là, il est tranquille et tout. Je pensais que j'allais pas le voir. Je connais pas les Chansons.
En ce moment, je sais qu'à ce qu'il y a à la mode en ce moment dans Splatoon, ceci dit, je me suis quand même un peu renseigné sur la mode de ces derniers temps. Ce qui est à la mode en ce moment, ah, un aérogun. c'est d'avoir le truc qui fait durer moins longtemps le sonar. Je sais pas si c'est parce qu'en ce moment il y a une espèce de mode aussi d'avoir le sonar. En ce moment, je vois plein de gens avec le truc pour enlever le sonar. Bah, moi je préfère mon Kraken. Hein. Mais le missile Tornade il est cool aussi. Hop, au revoir Cyrus Black. Hop, au revoir Shaka Boom. Oh, je vais affronter Yoshi Kirby. Oh, t'affrontes Yosh. Il préfère danser, Yosh, finalement. En fait, je sais pas ce qu'il a choisi. Je pense qu'il a pris chanter. Il y a intérêt qu'il ait pris chanter. Ah, c'est vrai que Yosh... Il a déjà fait des karaokés. Mais je ne l'ai jamais vu faire du Zumba Fitness. Donc... Oh mince, il a tué mon collègue. Venge-le. Il a tué. Mais non, mais il est déjà mort. Enfin, je l'ai déjà tué. Mais il a tué. Je l'ai tué. Bon, je sais pas ce que je fais. Mais avance, Inkling. Il y avait un mur, je connais pas. Non, mais sérieux, mes collègues sont tous en train de se faire massacrer. Regardez, il est là, il veut me tuer. Et moi, je vais droit dedans. Hein. Attends, je voulais qu'il descende. On est que trois. Sérieux. En plus, il a posté des balises. Mais disons que le gars, il est resté bien. Il est resté mort bien. Je fais des bêtises, c'est pas bien. Oh purée, non mais ça j'ai tellement l'impression de jouer comme un demi-dieu là en ayant la fibre là par rapport à ce que je faisais avant. Parce que, en fait, purée, mais à chaque fois j'ai l'impression que je fais des projections d'encre pour les tuer et ça les tue pas. Je suis trop loin. Je vise pas assez haut. Parce que là, je crois que je t'ai pas vu toi. Non mais oh. Ouais, mais en même temps je suis pas filmé aussi, ça aide. Ça y est, là, je crois que les gens ils désespèrent, ils restent dans leur base, ils font plus rien, ils bougent plus. Ah, il y en a quand même un qui bouge. Et puis moi, je suis sans respect, je les tue quand même. Est-ce qu'il est mort? Oui. Oh le pauvre. Oh là là, mince, je veux mourir moi. Mais oui, mais je me suis encore jeté sous un rouleau, mais faut que j'arrête de jeter sous des rouleaux là, je fais vraiment des bêtises. C'est inadmissible. Non mais attends, mais ça fait deux, trois parties d'affilée que les gars ils perdent avec 6% quoi. Attends. Mais non mais. Vous voulez venir là parce que... Je crois que je suis dans une bonne team moi. Ah ça va. Je joue avec le rouleau Kraken. Ah oui. Oh mais non, j'avais une bonne team là. Ah dommage. J'ai fait déco. Oh, je l'ai pas vu. Enfin je l'ai vu mais. Bon. On est parti chez nos parents pour s'entraîner à jouer avec les lags. Du coup, tu tues les gens. En fait, avec les lags, ce que je faisais, c'est que je tuais les gens et que je m'en allais en fait. À partir du moment où je les avais frappés, je m'en allais. Je considérais que je les avais tués. Oh mince, mais à chaque fois, je pense que c'est bon. Faut que j'arrête de penser que c'est bon. On va perdre à cause de mes bêtises. Mais non, t'inquiète. Je vais rejoindre ta team. Non, ça s'explose pas. À chaque fois, je pense. Oh là, je suis poursuivi. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les gens étaient beaucoup plus hype pour cette Splat Fest alors que c'est juste une Splat Fest. Je sais pas, j'ai pas eu spécialement l'impression. D'ailleurs, j'ai pas vu grand monde parler de cette Splat Fest cette semaine. Bon, là c'était lamentable. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Oh là 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 là. Ah, ça y est, je suis sur la nouvelle map. Deuxième fois que je fais cette map. Mais d'ailleurs, c'est sympa sur cette map, il y a une carte pour afficher un peu ce qu'il y a sur le gamepad quoi. C'est ce qui est affiché sur le gamepad sur la carte hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais t'as dit un peu affiché. Ah, mais oui, mais il n'y a pas les trucs de téléportation par exemple. Ce n'est pas exactement sur le gamepad. Alors, j'espère qu'on va s'en sortir. Regardez-le là, le gros lâche, il s'enfuit. Enfin, regardez-le, ça sert à rien que ce que je dis de regarder-le, vous le voyez pas. C'est pas grave. C'est une façon de parler, c'est une expression. Bon. Ah, je suis un peu dégoûté d'avoir perdu ma team. Hein.
on avait une bonne... Bon, enfin, on a une bonne coordination. En gros, on shootait juste dans les gens, quoi, et on restait dans leur base. Eh ouais, Caleb. Ça marche pas comme ça. Le gars, il vient me prendre en traite, là, avec son... Ah, ça y est, moi aussi, je vais pouvoir découvrir le lotissement filament. Okay. Good luck. Merci. Grosse map. Grande map. Très grande map. Peut-être trop grande map. Oh là là, les lance tornades, les lance patates. C'est de l'enfer, c'est... Pas qui inventé les lance patates, c'est terrible. Il va venir. Oui, d'accord, je vais sauter dedans. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas vu. Je ne savais pas qu'il tapait dans ma direction. Bon, on va essayer de taper ici. Oh mince. Oh purée, son massacre. Eh, on peut faire des jolis kills hein, sur la... Les endroits là, et les gens ils te voient pas arriver. Ah, hop comme ça. Exactement comme ce qui vient de m'arriver. Ah, ils sont en danger, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Moi j'aime bien quand ils sont en danger. Pas où sont les verts, mais... Mais ça va, je pense, pour cette Splatfest, quand même, que ça va être assez équilibré au niveau des votes. Je pense qu'il y aura quand même autant de danser que de chanter, donc autant de traîtres que de bonnes personnes. Oh, je sais pas. Quoique, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils prennent... Ils prennent danser parce qu'ils savent pas chanter, et il y a plein de gens qui disent qu'ils prennent chanter parce qu'ils savent pas danser. Mais chanter, n'importe qui peut le faire. Oh mince, j'aurais pas dû faire ça. Bon. Bon, ce n'est pas une belle victoire, mais c'est une victoire quand même. Ah, et puis j'ai dans mon équipe, forcément, un Aerogun Premium. Bonjour, monsieur Aerogun. T'es même pas au premier. Bravo, à toi, monsieur Aerogun. Il me poursuit. Je sais pas. Quoi, le jeu est si sûr. Je veux dire, attendez, je... Pourquoi... Je veux dire, pourquoi ça choque autant les gens aujourd'hui? Je sais pas, t'as streamé... Bah oui, enfin, la première Splatfest, on l'avait déjà enregistrée avec ce nouveau jouet. Eh ben tant pis, on aura une Splatfest trop dark. J'allais dire, là, je regardais ton truc, là, j'allais dire, oh, t'as pas cassé la balise, mais si, mais c'est parce que je me baladais. Ah. Bah alors, dans ce King of Arms, faut pas chanter avec une voix grave. Dans Splatoon, personne ne chante avec une voix grave. Chante avec une voix aiguë, comme la mienne. Je comprends pas comment on a fait pour qu'il... Enfin, je sais pas où est-ce qu'il passait, mais... Il les a tués beaucoup, quand même. Il passait toujours au même chemin. On était que 3 contre 3. Ok. Oh, il y a quelqu'un qui joue la nouvelle arme, là, l'espèce de nouveau sniper. Je sais pas si c'est vraiment un sniper. Hein. Ça a l'air, en tout cas. Ils vont mieux les doigts de pied de Milu, mais ils vont bien. Question étrange. Eh ben non, passera pas. Non, passera pas comme ça, mon ami. Eh ouais. Eh ben non, tu ne tueras pas. Notre équipe, elle est très équilibrée. J'espère que ça restera comme ça. Kraken. Ah, forcément, j'ai soif et j'ai pas d'eau à côté de moi. Je reviens vite fait. Oh! Eh bah non, bah oui. Je pensais quoi, que j'avais pas de suivre, sérieusement, là? Attends, le gars, il... Tu rêves un peu trop, mon ami, tu rêves un peu trop, hein. Le bambou, c'est un sniper qui a une portée moyenne, une faible puissance, et il cherche super vite. D'accord. Et on peut facilement se déplacer. Au revoir!
Oui, mais Yol, si tu avais écouté le tweet, tu saurais que cette information date de 2014. Je pense qu'en un an, Milus est remis. Bim bam boum MK1. Je sais pas si on dit bim bambou pour faire un jeu de mots avec bambou ou si on dit. Oh, j'ai pas tourné assez vite. Ou si on dit bon. Oh mais non, bim bam boum parce que bim bam boum. Matisse. Purée, Matisse. Je savais pas qu'on pouvait écrire Matisse comme ça. GG. Allez, il faut les mettre en danger. Qui reste en danger. Je me sens un peu endormi là. J'arrête pas de faire des bêtises. Un trop gros repas ce soir. Non mais t'as bien vu qu'aujourd'hui j'étais pas très bien. Oui oui bah depuis que ouais. Ah mince, vous l'avez tué. Bon c'est pas grave. Bah, au moins j'aurais utilisé le Kraken pour essayer de faire. C'est déjà ça. Alors je vais venir par. Ah mince, il m'a tué. Ah c'est pas grave. Joshi. J'ai tué Joshi. Ah mince. Ah mince, il s'est enfui. Gros lâche. Il s'est enfui, j'ai la fin de courir après. Plus on est dans les 16 dernières secondes, on va peindre plutôt. Essayer de pourchasser les gens. On a gangé, c'est bon. Ah, j'ai pas été assez haute. Non, non, faut pas partir maintenant. Bon, je sais pas où aller. Joshi, c'est le cousin. Ah, je sais plus parler. Bon, tu montes, petit squid. Désolé, désolé. Faut que j'apprenne à parler. Faut que j'aille voir l'orthophoniste. Bref, je disais donc Joshi, c'est le cousin. Quoi ? Jamaïcain. Cette arnaque ! Pardon, je suis choqué. Qui s'est passé. J'ai pris un bouclier de quelqu'un, mais il a duré un microseconde. Ah, un microseconde. Mine de rien, on est avec quelqu'un qui s'appelle. Attends, il est méchant ou il est gentil, lui? Ouais, ils sont méchants. Mais non, j'avais le Kraken, vous pouvez pas me tuer. J'étais en train de tuer quelqu'un. Et je comprends rien de ce qui se passe. On est en train de se faire exploser, en plus. Ah mince. Mais en fait, on est trop... pas du tout coordonnés, en fait. Bah, il faut bien qu'ils aient 2-3 victoires, les petits machins. Ils sont tristes, ils ont pleuré, moins moins. Genre, par exemple, je sais qu'aujourd'hui il faut bannir Blacky parce qu'il supporte la team danser. Bon, j'ai réussi à faire des mini points, mais je sais pas pourquoi. Je pense que je n'ai pas une team excellente. Je suis pas un maillon fort non plus, mais. Je te propose un petit défi là, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire une petite devinette. Hein, dans quel niveau je me trouve actuellement? La Sergoemon. Oh bravo, comment tu as deviné? Je me le demande. Bon, je vais rester encore avec eux. Ah, je vais pas regarder qu'est-ce qu'il y a. Je vais croire en eux. On verra bien. Kirito Pro. Attends, ils sont tous partis? J'ai perdu tous les membres de ma team? T'as perdu, ils ont perdu. Mais ça ne vaut pas la peine. Mais tu vois, j'hésitais à quitter la team et en fait, ils sont tous partis. Hein. Genre, ils se sont tous dit trop nuls, les gens. Zut. C'est porté à lui. On n'est pas en train de mener là. Ça fait qu'une minute que le combat est commencé, mais c'est pas cool quand même. Alors, de toute façon, vous n'êtes pas dans le. Ah, une erreur est survenue. J'espère qu'ils ne seront pas que 3. Ah ouais, non, mais ça, c'est frustrant. Parce que tu te dis, oh là là, si notre team elle perd à cause de ça. Un peu terrible. Alors, est-ce que je peux en profiter pour voir si monsieur veut changer les couleurs? Alors, voyons. Est-ce qu'il faudrait monter ça? Je sais pas du tout si je suis en train de faire quelque chose d'utile. Ah oui, d'accord, c'était pas une bonne idée. Je sais pas ce que vous faites, mes alliés, mais... Ça, c'est quoi? La saturation. Ah bah c'est ce que je cherchais. C'est la saturation. On va monter un peu la saturation.
Ce que vous faites, les alliés, là, on est en train de se faire. Enfin, on n'est pas en train de se faire exploser, mais on n'est pas en train de mener non plus, quoi. On va monter un peu, peut-être, la luminosité. Mais là, du coup, c'est trop saturé, forcément. Allez, go, go! Par ici! Je sais pas si ça marche, je veux dire par ici, parce que généralement les gens ils en ont un peu rien à faire. Mais... Alors moi j'ai déjà vu hein, quelqu'un qui dit par ici, et en fait c'était pour troller, il restait dans un coin de la map et il bougeait jamais, et il disait par ici pour que les gens ils se disent je vais aller voir, et en fait il faisait rien. Et ouais, après à la fin il faisait genre 10 points, parce qu'il peignait pas en fait, il s'amusait à spammer par ici pendant toute la partie. Casse pas ma balise, casse pas ma balise, casse pas ma balise. C'est bon, il l'a pas cassé. Oh purée, par contre on mène pas. Ça c'est pas bon du tout. 40 secondes qui restent. Lirae, tu es quand même un bon maillon, car après tout, tu es celle qui tue le plus, non? En théorie, en tuant tout le monde, ça permet à ma team d'avancer. Sauf que dans la dernière partie, j'avais l'impression de tuer du monde quand même, même si je me faisais tuer pour rien. Et on n'avait rien du tout. Enfin voilà, c'était étrange. J'espère je sais pas que... si on est que 3, hein, parce que... On est que 3, en fait. Ah ouais, on est que 3, je crois. Hein. Est-ce que je parle calmar? Je ne crois pas. Attends, on est que 3? Je crois qu'on était que 3. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrivait pas à mener. Après, j'ai pas vu. Hein. Je me disais, on n'a rien gagné, mais ça se trouve, il y avait une déconnexion. Alors, je regarde. J'ai pas regardé. Je ne peux pas avoir les points. On a gagné quand même, mais de pas beaucoup, quoi. De 8% seulement. Ah mais oui, on peut pas avoir. On peut pas avoir s'il y a quelqu'un qui s'est fait déco. Donc c'est peut-être ça, peut-être qu'on était plus que 2 ou qu'on était plus que 3 et c'est pour ça qu'on s'est fait laminer. Bah je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y avait... Enfin il y a là pendant un long moment il y avait un scout barré. Après bon j'ai pas fait attention non plus. Oh je suis dans une team sauf qu'il y a personne. T'inquiète, les gens vont arriver. Devine quoi? Je suis dans ton niveau préféré. T'es sur le lotissement filament. Pour l'instant, je suis qu'à 3 Sergo et Mon sur 6 parties, je crois. Moi, de toute façon, quand il y a le skatepark Mako, je tombe toujours sur le skatepark Mako. Donc, forcément, là pour l'instant, j'ai fait plein de skatepark Mako. Moi, j'aimerais bien aller sur Station 12 Blitz. Bah, pourquoi tu y vas pas? J'entends des gens qui font spiou, spiou, spiou. Je me dis que c'est le bambou. Ah, skatepark Mako. Oh, des aérogun premium. On a pas un pour attraper l'autre. Hein. On est deux rouleaux là. On était deux kikous en train d'essayer de grimper. C'était magnifique. Ils sont où les verts? Ah, purée! Miguel Taco retourne au Mexique, hein. C'est au Mexique qui mange des tacos. Ils sont où les verts? Ils sont où? On est quand même en train de mener là, je sais pas quel miracle. Bah nous on est en train de perdre, mais je croise pas de verre. Du coup je déteste ça. Je me fais tuer comme un noob là. Ah mais ok, mais pourquoi vous vous téléportez pas sur moi, bande d'abrutis? Ah mais ça c'est la question que tu poses des fois. Je veux dire, ils sont en train de se faire... spawn kill même. Mais ils se téléportent pas sur moi. Oh mais non, c'est traître ça. Allez, allez, ouais. Bon, ah. Ouais, j'y ai cru, là. Hein. Des fois on fait des paris, il faut pas trop les faire. Pas rien. Bon, en attendant, je sers à rien là, c'est violent. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo là? Qui signe joue? C'est long comme nom. Ah, oh, je voulais utiliser le Kraken et ça a pas lancé. J'aime pas quand ça fait ça. J'appuie désespérément sur le bouton et rien ne se passe. Bon, je sais pas ce qu'il fait mon ami le vert, mais... On va y aller, hein. Oh, bien, bien la téléportation, GG. Sauf
que théoriquement, s'il y a quelqu'un qui s'il s'est téléporté vers là-bas, ça veut dire. Ah, je l'ai pas eu. Ça veut dire qu'il y a des gens là-bas. Est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes dans le rouleau? J'aime bien le fait qu'il tue les squids en un seul coup. J'aime bien le fait que. Bah non, dans ce cas-là, tu devrais jouer le snipe. Oui, mais le sniper, c'est pas pareil. Ça tire de loin. Moi, j'aime bien être au corps à corps. Eh ouais, Justin. Eh ouais. Et puis après, j'aime bien. Il y a aussi les personnes qui n'utilisent pas tes balises de saut, c'est tellement agaçant. Oui, mais pareil, là, mes balises, elles étaient pas utilisées. Hein. Bon, j'en ai posé. Ça y est. J'en ai posé que deux. La balise dans la base, ça y est. Mais bon, je ne sais pas. Je suis sceptique. Après aussi, il y a un truc aussi. À propos des couleurs là, des couleurs ternes, tout ça, il y a aussi un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais sachez que là le bitrate est pas forcément élevé, c'est pas la qualité optimale, du coup l'image est aussi plus terne. Mais t'inquiète, je l'ai augmenté la luminosité d'image, maintenant normalement c'est exactement comme ce que je vois. Je sais pas, ça a l'air un peu plus saturé. Dirais, j'étais à côté de toi, mais je me suis fait kill par un verre. Ah, je ne savais pas que tu étais avec moi. C'est qui? Nico Fire. La balise dans la base, c'est la base, bah oui. Naturellement. Mais qui est moi, Blacky, bon sang. Ouais, le lotissement. Je suis le seul à avoir beaucoup de déconnexions. Moi, j'en ai eu qu'une pour l'instant. Bah, moi, j'en ai eu 3 ou 4. 3 ou 4? Oui, mais c'était des déconnexions quand je voulais rejoindre une partie, tu vois. Oh, il y a Oli dans la team. Oli. Ouais, non, pour l'instant, moi, j'en ai eu que. Oh mince, j'ai raté un verre. Bon, tant pis. Posons une balise. Attends, c'était pas la lumière, ou quoi? Ah non. C'est un rose, lui, hein. Pourquoi on est tous là? Ça veut dire qu'il y a des vers chez nous. Non? Mais j'ai appuyé sur le Kraken! Je comprends pas! Je spam mon stick! Je pense. Enfin, je sais pas si le bouton il est juste pas pratique ou quoi que ce soit, mais. Je veux dire. Ça m'arrive souvent. Ou alors après c'est moi Firelord. Qui... Firelord, c'est ton meilleur ami. J'appuie au mauvais moment, je ne sais pas, mais... à chaque fois que j'appuie sur le Kraken, je râle que je l'ai raté, alors je suis un peu frustrée. Il y avait un ver ici, il est mort. Il s'est fait tuer quelque part. Ouais, voilà. Voir Rodrigo. Non, pas là. Je sais pas où je vais, là. Je connais pas, je vous rappelle, hein. Je découvre le lotissement. Oh, j'ai plus d'encre, trop triste. Je sais pas ce que font les vers, parce que je les vois pas avancer, encore une fois. Hein. Quoi? Mais... oh, il n'a pas vu ma balise. En parlant de balise, ça me donne envie d'en... C'est triste, tu peux pas revenir en arrière en plus, te cacher dans ta base. Dans lotissement firmament. Oui, mais du coup, là, je poursuis des gens en Kraken, ils peuvent rien faire. Hein. Ils peuvent pas aller se cacher. Ah mince. Qu'est-ce que je fais? Je veux mourir? Mais il est parti? Où suis-je? Oh, j'ai des pieds des Dany. Oh, je suis poursuivi. What? Il est passé où? Oh, j'en ai eu qu'un sur les deux. C'est une honte. Allez, vite, 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 vite. Eh ouais, ça c'est un coup classique. Oh, mais mon jet d'encre il est passé au-dessus. Ah, je suis dégoûtée. Je pense que tu vas le tuer en Kraken, mais non. J'aime pas ça. L'arnaque du roi. Je suis triste. C'est pas grave. Tu tues personne.
Ah mince, Oli, c'est un garçon. C'est un fanboy. Éliminé par un concentrateur, la honte, l'iraille. Oh. Je fais ce que je peux. Mais c'est pas grave, t'as gagné. Mais non, mais je m'en fiche d'avoir gagné, moi. Je veux tuer des gens. C'est tout ce qui compte. Je suis une assassin. Non, il ne faut pas sortir cette phrase hors de son contexte, s'il vous plaît. Eh bah ben, ça va pour l'instant. Je crois que je fais un 100% victoire. En plus, notre team est bien, là. Deux garçons, deux filles. Parfait. Pourquoi tu ne joues pas les pinceaux? Parce que pour l'instant, je joue avec les rouleaux pour me remettre dans le bain. Parce que j'ai pas joué à Splatoon depuis longtemps. Diarrhée assoiffée de meurtre. Pourquoi vous êtes méchant comme ça avec moi? Parce que tu t'es trompé de team, tout simplement. Je vois la Blackie 47, c'est comme si on te proposait de faire un choix entre un groupe de musique et Justin Bieber, et tu as choisi Justin Bieber. Parce que Justin Bieber, il chante, il danse. Oh bah, ça m'étonnerait pas. Allez, axe! Bah, finalement, je retire ce que j'ai dit. Il y a plus de garçons que de filles dans ma team. Incroyable! Ah ouais, si, il y avait un truc qu'on se disait aussi, que peut-être que les gens ne prendraient pas la team chantée ou la team Transformers parce que c'est rose. Il a essayé de me tuer avec son missile tornade alors que j'étais à côté. Il aurait pu me tirer dessus. Il était illogique, ce squid. Je peins les arbres. C'était beau, j'espère. Enfin, ils sont devenus beaux, j'espère. Mais oui, ils sont devenus roses. Peindre un arbre vert en vert, c'est pas très intéressant, tu vois. Tiens, regarde, je fais son chemin pour lui. Attends, c'était un rose ou un vert? Ah non, c'était un vert. Un rose. Ouh. Je ne sais plus parler. Oh, j'ai liquidé B. Bon, je vais peindre le camp. Je tuerai des ennemis plus tard. Je me sens triste pour Ben qui attendait à côté de ma balise et qui s'est fait éclater quand je suis arrivé. Rien vu venir. Oh bah c'est déjà rempli. Oh bah ma balise est toujours là. Surprenant, étonnant. Ces 15 recettes faciles vont vous étonner. Elle est encore là ma balise aussi mais... Non mais tu fais quoi, S? Alors on est... C'est moyen là. Il m'a pas vu lui. Non j'ai peur. Honnêtement je ne sais pas ce qui est le pire entre les gens qui n'utilisent pas tes valises et les gens qui ne cassent pas tes valises. Je pense que le pire c'est ceux qui cassent pas les valises. Donc, tu meurs? Merci. Ils sont où les verts? Ils sont partis? Ils ont réussi à passer. Wow! C'était traître ça, hein? Ils sont pas 3D quoi, quand même. Le truc qui est logique, c'est le squid danse même quand ils sont dans la team chantée. Mais oui, mais c'est normal. Pourquoi aller dans la team danser alors qu'on peut faire les deux en même temps? Alors qu'on peut pas danser et chanter dans la team danse. Parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si tu danses, si tu chantes. Puisqu'on peut pas voir si par exemple je dis joli, joli, joli tout le temps. Ben il y a que ceux de mon équipe qui peuvent voir ça. Je sais pas si j'ai été très clair. On a même pas peint notre base.
Ah ouais, d'accord. J'ajoute pas en ami les gens que je connais pas, c'est pas contre vous, c'est que bah, je vous connais pas. Ah ouais, d'accord, dans notre team, on est mort 4 fois en tout. J'allais dire, je suis la plus nulle de ma team, mais non, il y a un niveau 22 pour me soutenir. Mais voilà, là, c'est pas filmé, je joue super bien. Pourquoi à chaque fois que je sais pas filmer, je joue super bien? Pour les balises, les pires, c'est ceux qui mettent sur les bases. Oui, bah c'est ce qu'on... On en parlait tout à l'heure, justement. C'est parce que c'est la base de mettre une balise dans la base. Oh, y'a Kev. Mireille, je suis encore avec toi. D'accord, mais je sais pas qui tu es, Nico Fire. Tu dois être Lucan. Non, c'est Kemga. Lucan. Y'a même pas... Y'a qu'un O, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y a Luta au-dessus. Lucan Paradise. Lucan, c'est moi. D'accord. Ah, c'est bien, on est dans l'enrichissement filament, j'aime bien cet endroit. Bon, d'un côté, je l'aime bien, je l'aime pas. Je l'aime bien parce que c'est grand et je l'aime pas parce que c'est grand. Merci, Safaya. Oh purée, je regarde le chat et du coup, je me suis cogné contre le mur. Là, les gens, ils ont dû se dire intelligent. Elle est un peu boulette, celle-là. Non, pourquoi je fais deux? Pas besoin de deux, hein, ça suffit. Oh, ce saut! Bon, du coup, j'ai pas posé ma balise. Je suis un peu triste. Ah, je suis coincée! Alors, j'avais le choix entre la tornade et le haut perceur. Et tu as choisi entre? Et tu as choisi quoi, plutôt? J'ai eu les deux en même temps, hein, je crois. Je ne sais pas lequel m'a tué, parce que j'ai pas lu. Mais c'était désastreux. Bon, donc j'étais partie poser une balise. Qui a fait un point vert ici? Oh mais... Les murs, ils sont un peu traîtres dans la serre Goemon. Des fois, je me fais avoir pour rien. Mais tiens, on n'a pas peint notre base. Cette fois-ci, je vais le faire, puisque je suis mort cette fois. Vous mourrez pas avec vos hauts perceurs à la noix. Très intéressant. Tu crois que je t'ai pas vu te cacher dans mon encre? Bon, je suis un peu triste d'avoir utilisé le Kraken pour ça. J'ai pas eu de chance. Je vois un verre là. Ok. Je sais pas si on est bon ou si à chaque fois que je suis dans le lotissement finalement, on arrive à gérer pour que les vers ne passent pas de l'autre côté. Je sais pas, pour l'instant je l'ai fait qu'une fois. Ça a pas raté, hein, je passe ma vie sur... What? Je passe ma vie sur la serre Goemon, bien sûr. Tout le monde va au même endroit. Yay. Ah purée. Il va trop vite le bazooka. J'ai l'habitude des bazookas qui mettent longtemps à charger moi. Ouais, mais il m'attendait, hein. C'est un traître. Je pouvais rien faire. Hop, le petit kill final, là. Celui qui rend triste. Milieu, et t'as quel niveau dans ce platoon? Le même que le mien, normalement. Je suis passé 30. Et tu me l'as pas dit. Je suis passé 30. Je te l'ai dit, maintenant. Moi je suis passée experte en chant. Et je suis bientôt au niveau 30. GG. Le GG. Allez, allez, allez. J'ai mon deuxième t-shirt là. Oh, j'ai eu plus bas. Tiens, j'ai pas vu, toi t'as quoi? T'as eu force? Oui, bah oui, forcément.
trop Zero Gun Premium dans ma team. GG. Allez hop. Oh, je vais affronter un mirage. Oh, trop bien. Je suis encore là. Est-ce que Nico Fire, c'est vraiment Nico Fire? Il a menti. Bah, peut-être qu'il ment. Tu oses douter de la parole des gens? Écoute. Oh, un arroseur, enfin la nouvelle arme là. Il s'appelle pas Nico Fire, alors j'ai le droit de douter. Ouais, mais peut-être qu'il a pas envie de s'appeler Nico Freak. Mais s'il change de nom, il ne sera plus avec moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Perso, il est resté là, par terre, genre, lol, j'ai pas envie de sauter, trop dur. C'est trop dur de sauter. Faut pas abuser, non. Je suis humain. Ah bon, c'était prévisible, hein. Non, mais tu es pas, je suis gentil. Nya. Enfin, j'ai bientôt le kraken. Non. C'est traître, ça. Ah, purée. Ah, je suis désolé, ma team. Je gère pas. Est-ce que des gens trouvent le sauceur trop cheaté? Purée. Non, moi, je ne trouve pas le sauceur trop cheaté. Que ce machin tu prends un coup. Pourquoi je puis mais ça marche pas? Oh là 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 là. J'arrive à survivre là. Oh merci. On va vous te non dire joli. Mais non, j'étais en train de donner un coup. C'est pas drôle. Mais non, je rigole pas, je pleure. C'est un méchant. T'as douté. Mais oui, mais faut pas douter. Faut taper même si c'est un allié. Et vas-y donc. Les gens, ils ont des noms, c'est... Ah, c'est illisible. J'arrive pas à faire des projections d'encre de la mort. C'est un enchaînement de lettres. Bonjour, mon pseudo est un enchaînement de lettres. Il est passé, il a pas explosé ma balise. Il meurt quand? J'arrive pas à le tuer. J'aurais tenté. Bon, c'était un peu n'importe quoi. D'où vient vos pseudos, Lyra et Emilu? Ah ouais, je suis le dernier de ma team. Tu n'essayes pas le saut? Non, pourquoi j'essaierais le saut? Quant à mon pseudo, il vient des étoiles. Oui, il y a une blouse de scientifique dans Splatoon. Il est cool le saut, voyons.
Je vois pas en quoi c'est prétentieux de dire que mon pseudo vient des étoiles, puisqu'il vient des étoiles. Je peux pas changer, hein. C'est un fait. Il arrive. Bah si, il arrive, tant mieux. Est-ce qu'il m'attend? Il est parti. Je sais pas où passer, là, c'est arrivé. Ouais, il est là. Lotissement filament, la deuxième fois que je le fais. Ah ! La troisième fois, pardon. Purée, le lance-tornade, il va tellement vite que je pensais pouvoir me mettre en kraken avant qu'il me choule dedans et non. Alors, il est où? Purée, mais ça va trop vite la cadence. Deux. Du liquidateur griffé, à peine je fais un pas, je me fais tuer. Moi, je veux juste avancer. Mince, je suis transformé. J'ai pas fait exprès. Ok. Waouh. Ah, à chaque fois, je pense que je peux l'avoir, mais. Miler. Allez, venez petit. Venez petit. Bon, il a fui le kraken. Ce kraken lâche. Bon, tu peux casser ça aussi. Eh mais toi, à chaque fois, c'est la deuxième fois hein, que je pense que je le tue et non. Là, ce bazar de l'infini, et finalement c'est possible de faire un pseudo spawn kill, parce que je sais pas pourquoi les gens ils reviennent là où dans le lui, il est dans la team chantée. Pensez sérieusement que je suis quelqu'un qui danse, moi. Et encore une victoire du canard. Apparemment, l'Elgato gère mieux Splatoon. Ah ouais, pourquoi? Bah ouais, avec les décalages de son qui viennent toutes les 5 secondes. Oui, bah oui, l'Elgato, à chaque fois, il faut qu'on débranche et qu'on rebranche. Moi, je suis désolée, pour l'instant, la Vermedia, il gère mieux. Si tu devenais un personnage de jeu vidéo, film animé, pendant une journée, tu choisirais lequel? Wow, devenir 80... le personnage. Il y a 80 personnes sur son stream. Ça y est, tu deviens famous tout ça. Un personnage. Ben, je serais Meta Knight, bien sûr. Tu ne serais pas le roi lion. Non. Du s'il danse, il fait exploser Internet. Voilà, c'est à peu près ça. Pirae, tu es que experte. Mais en même excuse-moi, temps, ça fait qu'une heure que je joue. Je fais de mon mieux hein, pour gagner des points. Après, elle peut pas enchaîner les combats plus vite que... Voilà, quoi. Plus vite que la musique. Je vais avec Chelsea. Il s'appelle comment sur Splatoon? Magic Mare. Laia. Hein? Mais lui, il s'appelle comment sur Splatoon, Laia? Bah, tu t'appelles Laia. Ok? Je m'appelle Laia. Sur Splatoon. En général, qu'on gagne ton, si on est vainqueur du festival, on gagne des petits coquillages qui permettent de reset ses équipements ou de l'augmenter. En gros, ça remplace 30 000 zénith. Non, j'ai pas assez de pain!
Et si tu gagnes, t'en gagnes plus. Et si tu perds, bah ça sert à rien que tu participes. Non, j'ai tout vu. J'ai vu la tornade arriver. Attends, c'est encore Megawatts? Je suis encore contre Megawatts. C'est mon Némésis. Je veux prendre ma revanche. Courage. Je crois pas que je suis tombé encore sur quelqu'un que j'avais déjà affronté pour l'instant. En tout cas, il n'y a aucun pseudo qui m'a marqué. Notamment, il y a deux Splatfest où j'ai déjà eu deux fois le même. Il y a une qui arrive. C'est pas un, ça me va. Ah oui. Des fois, c'est assez hallucinant ce qui arrive aussi. Attends, je crois que lui il veut aller peindre là-bas. Hein. Non, c'était un trou! Oh la bombe, je l'ai même pas vue! Oh non, enfin, faut pas aller là-bas, ils vont me casser ma balise. My dude! Trop triste quand j'utilise le Kraken alors que j'arrive à le tuer, le gars. Oh. Tu sais, j'existe, monsieur, hein. Oh, ça se peint pas. Faut pas hésiter à me tuer, hein. Mince, je me suis fait tuer. Pas pouvoir continuer à faire le KO. Non, 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 non. Non, il a laissé la balise. Il a laissé la balise. Pourquoi vous laissez la balise? Des fois, je comprends pas. Hein. Tu m'étonnes. Même s'ils cassent ta balise, ils savent pas quand tu vas sauter dessus car il n'y a pas de marqueur. Certes. C'est quoi ton stage préféré de Splatoon? Bah là, le lotissement, finalement, il est cool. J'aime beaucoup les tours Jirel. J'aime bien... Non, je suis mort. Oh les gars, les gars, les gars, là. J'aime bien. Oh, je suis passé niveau 30. GG. Je vais gagner un cadeau. Il y a quoi déjà comme stage? L'hypo camping aussi, il est joli. Ouais, ok, d'accord. La station 12 brises, c'est sympa. Moi, en général, j'arrive pas à faire un classement des stages Splatoon parce que je les aime à peu près tous. Je suis avec Mushroom, je vais gagner, on va devenir grand et fort. Mushroom. Et pareil, j'arrive pas à établir quel stage je déteste. Et moi, j'aime pas Arrow, Mana. Je sais. Tu n'aimes plus station 12 brises. Mais si, je l'ai dit après, mais j'ai réfléchi, tu sais, au truc. Dark Sora. Attention. Bah, je sais pas, après, tu peux te dire qu'en tant que rouleau, t'aimes pas jouer sur Arowana, par exemple. Mais toi, t'es comme ça, mais moi, ça me dérange. Mais non, mais pas. Je parle pas, je cite un exemple, ça veut pas forcément dire que c'est vrai. Moi, je vois pas de problème. Je vois un problème à Arowana quand il y a deux snipers, mais quand il y en a qu'un, ça va. Ouais, et ben. Ils existent, les snipers. Et à partir du moment où ils existent, et ben. C'est fini. Ah, je déteste ça. Il y a quelqu'un qui arrive, il va me taper. Il est passé où? Après, globalement, moi, je veux dire par exemple que j'aime pas spécialement Arowana en termes d'architecture. Quoi aussi. Bon, après, c'est pas à moi que concerne la question, ça sert à rien que je réponde. Enzo, niveau 8, bonne chance, Enzo. Et alors là, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Déjà, le Kraken, j'étais perdu. Et en plus... Tribix se sent invisible. Bah retire ta cape d'invisibilité alors. Oula, j'ai eu peur pour ma vie.
Ouais, non, mais là, le Kraken utilisé pour rien, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Oh, je pourrais jamais monter sur ce mur. Le sniper, là. Il y a un combat là-haut, je passe. Mince. J'ai plus d'encre. Je continue de rouler par terre, moi, comme un abruti. Je sais jamais, peut-être que ça peut marcher. C'est un ver, lui. Mince, le sniper. Je déteste les snipers. Moi j'aime pas les sauts. Mais chez vous les snipers. Et c'est bon là, t'arrêtes de me focus un peu, va voir ailleurs. Pas que moi. Quoi? Ouais bon, non, je crois que j'ai été un peu fort là pour Enzo, il est que niveau 8. C'est pas la peine de se transformer en Kraken pour lui. Moi. Vas-y, comment tu méprises les gens, c'est pas gentil. Bah oui, mais fort. Tirer à côté, tu vois. Pourquoi il tire par terre? Bah oui, bah voilà, c'est ça. Mais non, mais j'ai encore appuyé sur Kraken et ça l'a pas lancé. Mais là, il y avait quelqu'un avec son petit Enzap, il peignait par terre, il regardait par terre. Du coup, bah, il me voit pas forcément. Emmeline. Où est-il, le sniper? Aïe. Ce serait bien qu'on peigne notre base, au fait. Juste comme ça. Allez, venez maintenant, je vous attends. J'ai le sniper et tout en plus. J'ai le sniper, j'ai le Kraken. Bon, vous faites quoi là? Vous allez pas rester dans votre base à jamais? Mais ils ont trop peur. Alors Enzo, tu vois, il est que niveau 8, tu vois, c'est le plus débutant, mais c'est celui qui ose, tu vois. Il ose lui. Il est passé où? Il est tombé? Prenez exemple sur votre niveau 8. Eh mais lui, moins, faut que j'arrête d'utiliser le Kraken ici, hein, parce que je peux rien faire. Lui au moins il tente des trucs. Mais du coup, j'essaye de suivre le chat, mais je sais même pas de quoi vous parlez. Vous dites toute une phrase différente. Vous avez tous chacun votre sujet. Ils font tous du hors-sujet, mais à leur façon. Est-ce que Atonner et Mia vont bien? Ben, Atonner, il va... Ça va, Atonner? Il y a de la fumée? Viens, ouais. Atonner. Dépêche. Il y a de la fumée. Quelqu'un qui est en train de faire un barbecue géant. Oui. Allez, on dit bonjour. Parce qu'on est poli quand on est un chat. La caméra à Tonnerre, elle est ici. Hein. Là-bas. Ouais, c'est pas de sa faute, il sait pas. Tu lui as jamais dit. Tu as pas je te laisse. Tu as pas appris à faire les facecam. Oh non, je lui ai juste appris à être sur l'appareil photo, mais je lui ai pas appris la caméra. Petit 11. Atonner va très. Il y a de la fumée. Oui, non, mais je vous assure, là, il y a de la fumée en fait. Enfin, c'est marrant, ça fait comme si. Il y avait eu du brouillard dans la maison. Ah, ici, carrément, dans la maison? Non, mais quand j'ai ouvert dehors, ça fait un peu brumeux, c'est bizarre. Oh, la Sergoemon. Ça marche, hein. Je fais plus de Sergoemon qu'autre chose. Moi je fais plus de lotissement filament que de skatepark Mako, c'est très étonnant. Et la Sergoemon, bah, c'est de temps en temps. Moi aussi j'aimerais bien que ce soit de temps en temps. Bon, ça me dérange pas, j'aime bien la Sergoemon. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais, Milu? Ça fait du bruit dans le micro. Ben rien, j'attends. Pourquoi il y a quelqu'un qui dit par ici? Il y a Pikachu. Pikachu, c'est un maître danseur. C'est pas un maître danseur, c'est un virtuose de la danse. C'est pas grave. On dit Goemon ou Goemon? Bon, moi je dis Goemon. Moi je dis Goemon. Il est où? Il y en avait pas un autre? Ah si, mais il est parti se cacher. Après, ce n'est peut-être pas la. Digimon. Et prononcez le Roucoups quand même, n'abusez pas. Oui, j'allais dire là, Pikachu, tu peux mourir aussi, c'est pas interdit. Hein. Lucas! Oh, le traître, il s'est transformé en bouclier pendant que je me transformais en Kraken. Ça se fait pas, ça. Il y a des vers là, parce que je voudrais pas dire, mais.
Ah bah non, je l'ai pas tué. Bon. Voilà. Vite! Oh, il y a qui veut sortir. Bah t'attendras 2 minutes 7. S'il te plaît. Oh! Pikachu, qu'est-ce que tu fais là? Retourne chez ton dresseur. S'il te plaît. Bon, je pense pas que vous pouvez, hein, puissiez l'entendre. Ouais, c'est... Hey les gars, il faut y aller là, il faut avancer, il faut foncer. Ils osent plus passer. Mais ils sont que 3. Ah non, ils sont 4. Mais qu'est-ce que vous faites? On skip. Ils ont osé sortir les deux dernières secondes parce qu'ils se sont dit de toute façon on aura le temps de peindre avant de mourir. Mais ils auraient pu faire ça plus tôt, ils étaient tous les 4. Ah mais ils ont lancé plein de tornades. Bah oui, en fait ils peignaient et après ils lançaient des tornades, ok. Ils peignaient notre peinture. J'ai compris. Je peux pas lire ton message, Yol, il est trop blanc. Il est trop blanc. Ah oui, d'accord, il a envoyé un whisper. Je comprends pas les gens qui m'envoient des whispers ou qui mettent mon nom. Genre, lis mon message! Notice me! Bah, surtout que ça sert un peu à rien, puisqu'il est lisible le message. Oui! D'ailleurs, Lirae, j'ai pas l'impression que tu utilises ton arme secondaire, les petits ronds en dessous de l'arme spéciale. What? Les petits ronds en dessous de l'arme spéciale? Ah oui, tu sais, il y a les bonus. Bah, si je les utilise. Qu'est-ce que tu crois? Je marche dans l'encre ennemie tout le temps, t'as pas vu? Ensuite, comment ça s'appelle? Je crois que ça clignote pas quand j'utilise moins d'encre. Non, ça clignote pas. Et enfin, que le spécial diminue moins quand je meurs, ben, ça se clignote pas non plus, quoi. Ah voilà, c'est ma pire partie de truc filament, là. J'ai fait 2 morts. Ah bah du coup, à Tonnerre, il est vexé, il voulait être avec toi. Ah bah je vais le chercher. Il pourrait le dire, au moins. Il attend, hein. Allez, viens. On m'entend dans le micro. Ouais. Dans les deux. Allez, tu viens. Il y a de l'écho. Mais non, mais il s'en va. Ok, à Tonnerre, t'es nul. Enfin, faut pas dire t'es nul, mais c'est pas très sympa ce qui s'est passé, quoi. Oh. Oh, la le vitesse contre moi. Oh, c'est ah mince, connexion interrompue. Je sais pas ce qu'il avait, mais il nage super vite. J'aimerais bien qu'il me tue juste pour voir ses bonus, en fait. Tuez-moi, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord, mais je sais pas si c'est pas un lag, en fait. Bah, il est parti, mais en dash de la mort. Parce hein. que ça m'est déjà arrivé, hein. Un gros lag, le gars, il est parti en courant comme ça. Ouais, il glissait sur le sol. Montre-Zor. Oh la nouvelle évolution de Ivysaur, Montre-Zor. Non. Attention Alex Ferry 9, si tu écris à tonnerre comme ça, ça fait à tonnerre. Je sais pas où je vais atterrir. Ok, ils m'ont détruit ma valise, j'ai tout vu, je vous déteste, vous allez mourir. C'est ma valise. Ah, tonnerre, tu permets? Pepperocci. Non. Pepperocci. Il y a un ver qui s'incruste chez nous là, j'ai tout vu. Mais non, mais j'étais en train de passer tranquillement.
Bon, de toute façon, ils sont en train de l'attaquer. Je sais pas ce qui se passe, mon gars, il faut me toucher. Flame! Oh, je me suis fait tuer. Oh, en plus, j'ai pas posé ma base, il se passe pas. Je suis un gentil, hein. On va y retourner à pied, donc putain, toi, toi. Quoi, il est pas mort? Mon trésor! Ça se fait pas! Il y a le Kraken, quoi. Bon, ok, t'es pas très mal, hein, mon trésor, hein, franchement. Mon rêve de faire un team champ versus team champ s'est exaucé. Bravo, je suppose. Ouah ! Arnaque ! J'aurais dû faire un... Non mais des fois, je tente des trucs... C'est bête. Faut pas faire ça. Bah oui, je sais, des fois. Je sais pas pourquoi des fois je tente des trucs alors que je sais qu'il faut pas le faire. Je veux faire mon malin. Tu mets pas de balises, mais tu les utilises... Tu mets des balises, mais tu les utilises presque pas. Après, je dois sûrement pas faire attention. Bah, je mets des balises pour les gens, c'est pas forcément pour moi. Je veux dire, je mets des balises à des endroits que je juge utiles au cas où j'ai des alliés qui meurent pour qu'ils reviennent vite. Enfin, je juge pas que les balises me sont exclusives. Oh, je suis avec Daddy. Ça faisait longtemps. Hein. Change un peu d'arme, Mirae. Mais j'ai pas envie de changer d'arme. Oh. Uh-huh. Ah, ça y est, je commence à enchaîner à la Sir Goemon, là. Purée, cette danse de Kraken, on était trois Kraken à la fin. Bon, il n'y avait pas que les Kraken de mon équipe, on était deux dans mon équipe et un dans l'autre, et on l'a tué. Ah, moi j'ai fait Sir Goemon, d'ailleurs. C'était étonnant. Irae, elle est gentille, elle est surtout stratégique, parce que si vous posez des balises et vous pensez que c'est que pour vous... Bah déjà c'est égoïste et en plus... Vous n'avez pas compris comment fonctionnait ce plateau, je crois. Non, c'est bon. Irae, tu vas streamer comme d'habitude jusqu'à ce que tu sois maîtresse. Ben, logique, oui, je vois pourquoi ça changerait. Oh, je suis avec Willy Étoile, c'est Willy Bobo. Et pour l'instant, j'ai fait aucune défaite. Ah, mais faut pas t'énerver dans le micro comme ça. Je suis déconcentré à cause des chats qui courent et qui se battent. Il n'y a pas de meilleur moment pour t'en se battre. T'en penses quoi des nouvelles armes? Il est marrant le bambou. Non, le Kraken va pas plus vite que le poulpe, normal. C'est un chat qui a miaulé là? Sûrement, ils sont en train de se battre. Ah ouais, oui. Si. Ah là. Ils font la Splatfest. Team Mia versus Team Atonner. Sauf que eux, ils donnent pas des coups de pistolet d'encre, ils donnent des coups de patte. Buggy. Pardon pour le cri. Bon, je sais pas par où commencer parce que c'est vert partout là. Ah, mais vous étiez deux, ça compte pas. Cri à l'arnaque, à l'arnaque. Ouais, je sais pas parler ce soir. Heureusement que nous n'avons pas tourné de vidéo aujourd'hui, alors. Oui, mais on est censé en faire au moins une. Elle durera peut-être que 2 minutes, mais il faut la faire. C'est bien, en 2 minutes, il va falloir compter le nombre de fois où je vais dire des âneries.
Non mais là c'est bon, hein. Je jouais comme un demi-god mais maintenant c'est fini. Hein. Je me fais chain kill, je vais pas faire un, j'en ai fait un kill pour l'instant. 1 minute 30. C'est pas génial. Hein. C'est pas génial. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre l'émoticône Nirei? Bah non, vous pouvez pas, elle existe pas encore. Et ça sert à rien de poster des liens. Déjà, parce que ça fait du spam. Oui, belle remontée, je suis assez impressionnée, hein, on a géré. Après, c'est possible que je puisse faire des émoticônes sans être partenaire. Il faut utiliser un truc qui s'appelle Frankerzy Face ou quelque chose comme ça. Mais comme pour l'instant, je n'ai qu'une émoticône, je vais attendre d'en avoir au moins 3. Je suppose. Ouais, faut qu'on se fasse des émoticônes de tonnerre. Oui, des émoticônes de Miaïa tonnerre. Allez les gars, il faut pas qu'on perde là. Miaïa tonnerre pourrait-il être dans la guerre des clans? Non. Alors eux, ils tiennent. Bien, peut-être, mais... Tonnerre, il en rêve, mais il serait super nul. Et Mia, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Mia, dehors, jamais de sa vie. Mais Tonnerre, il rêve de vivre dans la nature. Et quand il fait ses escapades de 1 mois, il revient maigre comme un clou, à moitié endormi, il en peut plus. Je crois qu'il mange pas. Hein. Je crois qu'il il chasse, mais il les mange pas. Donc du coup. Vu comment il est difficile. Oui, mais il aime rien, ce chat. Du coup, d'ailleurs, ils ont plein de nourriture, je vois. Enfin, Tonnerre, il survivra pas dans un clan. Et Mia, elle sortira pas, donc. Mia, c'est un chat de bipède par excellence. Tonnerre, ce sera un ingénieur, mais qui rêve d'aller chasser. Ah ouais, je suis mort 5 fois, quand même. Mia, c'est un chat qui n'aime pas aller dehors. Eh oui. Ça existe. Mais non, mais là, elle est en train de changer de caractère. Elle est allée dehors il y a 2 semaines. 2 secondes. Attention, elle se transforme. Là, elle a réussi aujourd'hui à bouder. Et à oui, Tonnerre, on n'a pas de hache, bon sang. Oui, pourquoi vous mettez un hache à Tonnerre? À Faunaire. Non, faut pas que j'imite à Tonnerre en pleine vidéo. Ah bah si, moi ça me donne envie. Et je le fais. Je n'ai pas honte. Tu as honte de ton chat? Non, pas du tout. Et ben alors. Oh, joli kill là! Vexine! Mia, c'est une no-life en fait! Ah, du coup, la qualité est arrivée visiblement. Cool! Il était temps, on était quand même 80 depuis un moment. Ouais, là ils sont 88. Ah, théoriquement, je tombe dedans puisque je regarde. Nous sommes 88! Je crois on est en train de se faire mener! Je crois que c'est le plus grand nombre de viewers que t'as eu. Merci les gens d'être là. C'est même le plus grand nombre de viewers que t'as eu, même à moi, tu m'as dépassé. Je sais pas combien j'ai été, moi, un jour je crois que j'étais à 60, des bêtises comme ça. Y'a quelqu'un qui me poursuit, je crois. Mais c'est tout. Tu es passionnante, Irai. Mais non, tout le monde sait que c'est parce que je suis une fille. Aïe! Je suis en train de poser une balise. Oh, il est pas mort alors que je lui ai jeté des trucs. Cordélia, t'es une traître. Tu peux pas être verte. Pourquoi personne ne détruit cette balise, bon sang? Je vois un rose là et... Il a pas cassé la balise. Ah si, quand même. Oh, je me suis fait tuer pour un rien. Vaut mieux se faire tuer pour un rien que se faire tuer pour un chien. Ah mais non, en fait je dis qu'il casse pas la balise, mais en fait c'est parce que la balise elle est là. Hein? Elle est où? Ah non, elle est de l'autre côté du mur. Je comprends rien, il a mis où sa balise? Ok, elle est là. Bon, c'est un kraken, non c'est pas là. Joli double kill là. What? Déjà? Attendez, je comprends pas. Il y a encore une. Ah non, elle est là. Je sais pas ce que je fais. Bon, je l'ai eu.
Eh mais ils sont plein de rouleaux. On est en train de perdre, mais je comprends pas pourquoi. Je veux dire, en fait, je sais pourquoi. Ils sont tous les trois ensemble. Il faudrait un peu se disperser, hein. J'ai frappé la première. J'aime pas quand je me ramasse comme ça. Là, je dois être la dernière de l'équipe, c'est obligé. Ah, Milou est dans quelle équipe? Bah déjà, je sais pas qui est Milou. Donc je peux pas répondre à ta question, désolé. Ce n'est pas le chien de Tintin. Tintin. Ah, je suis pas dernière. Quelqu'un a fait pire que moi. Mais on est tous morts en masse, hein. Il y en a un, il a fait 17 kills, il est content. Vous avez gagné ou vous avez perdu? On a perdu. Ok, bah pousse-moi dans ton allié, moi je te dirais pas non. Hein. En tant que Kraken, moi ça ne me dérange pas. Alors, à tonnerre. Ça elle va? Est pas belle la vie. Je suis avec Diego. Je veux forcément gagner. Pourquoi Diego, il est fort? Milu, tu as une voix de Dieu. Bah Diego, c'est Diego, tu vois. Ah oui, Diego. Mireille, j'aimerais t'ajouter à mes amis, mais j'ai pas ton Nintendo Network. Dommage. Ah, on est trois rouleaux, là. Waouh. C'est pas la Twink. Oh. Tenez, aime l'eau. Question bête. Oui, il aime l'eau. Oui, comme à peu près tous les chats. Parce que sans eau, il meurt. Qu'on se le dise. Vous aussi, vous aimez l'eau, normalement. Bon, allez. Je sais, c'était pas drôle ce que je dis, mais oui, il aime bien. Rofle. T'inquiète, toi, je suis gentil. Y a quelqu'un, là? Non. Aïe! Hey, je suis quand même... Waouh, quoi. J'ai trois rouleaux, là, alors, ici. Oh, y'a maman. Elle est niveau 37, là. Tu rigoles pas. Il y avait un autre, il est passé où? Non mais genre pour se baigner ou prendre un bain. Ah! Bah vu le nombre de fois où il est tombé dans la baignoire, je pense que... Ouais ouais, non, Tonnerre est passionné. Je pense qu'il aime l'eau. Hein. Tonnerre il est passionné par l'eau. Ah, on peut passer. Secrètement, Tonnerre rêve d'être un poisson qui vit dehors. J'ai raté. J'ai tué quelqu'un, je ne sais pas comment ni où. Je fais des projections d'encre aléatoires, ça tue des gens. Mon quatrième lotissement finalement de la soirée. Mmh. GG. Ah bah GG, il a pas GG. Hein. Oh, c'était maman. J'ai tué maman. Je me sens triste. On tue pas les mamans. Ah ouais. C'est pas de ma faute, je savais pas que c'était. Tu veux que je le devine? On fait plus attention la prochaine fois. Bon, je crois qu'on attend ici pour rien. Ils sont en train de tout peindre pendant qu'on attend dans leur camp. Hein? Juste comme ça. Omar dit ça, mais je sais pas où ils sont. Hein. L'enfer. Parce qu'il n'y a pas de verre dans ma base. Bon, je crois qu'ils sont partis. On va peindre vite fait comme ça, ça va aller. Moi l'aérogun premium je cherche pas à comprendre. Hein. Ouais, je crois qu'ils sont bien partis. Ah non. Un rouleau contre deux pistolets, que voulez-vous que je fasse? Je me suis jeté sous le rouleau. Je déteste quand je fais ça. Bon, je regarde. Hein.
Ton Yoshi préféré du dernier Let's Play sur Yoshi Woolly World. Je sais pas si cette question m'est adressée, mais bah je pense que si tu connais pas mon Yoshi préféré, tu vas pas regarder le Let's Play. Donc voilà. Rebonjour à ceux qui arrivent. Mais tu peux le tuer. Est-ce que Milu a Twitch lui aussi? Oui. Et ça serait bien que je stream un jour. Fraise au feu. Si ça se trouve, quand il part, il va nager, c'est pour ça qu'il revient tout maigre. Je veux bien y croire, mais il nagerait où? Bah dans l'eau. Oui, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de petit ruisseau. Non, non, il n'y a rien. Il est sorti. Quelles armes avez-vous le moins? J'aime pas les pistolets et les snipers. Ouais, mais c'est pas le moins. Qu'est-ce que tu préfères? Thor, qu'est-ce qu'il a, Thor? Je ne sais pas, c'est pas mon chat, je l'ai pas vu souvent. Ça, qu'est-ce qu'il a, Thor? Je comprends pas la question, c'est écrit Thor ou Mademoiselle Lirae. Demain, ce sera un nouveau let's play, non? Bon, ça y est, ça refait le coup d'où il y a des vers qui arrivent et qui s'en vont. Ok. Enjoy your future. J'aime bien parce qu'on a dit à Tonnerre, il n'y a pas de hush. Continue d'en mettre un. Hein. Attention. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos animées? Ce serait bien. Faudrait que j'y travaille. Mais j'ai d'autres choses à faire en priorité. Mais mon let's sur play favori. Mon let's sur play? Ben, sûrement Spyro, c'est le seul qu'on a fait sur play, non? Ah non, il y a Kingdom Hearts aussi. Et c'est tout. J'ai bien aimé Kingdom Hearts. Mon let's sur play qui m'a plu, c'était Kingdom Hearts. Milu à Twitch, c'est quoi son pseudo? C'est Milu avec un double. Je fais ma pub. Allez vous abonner vite, vite. Bref, bref. T'as pas le droit de faire ça. C'est pas la team chien versus chat. Eh, mais tu vois, hein, cette personne ne s'est pas décidée non plus hein, entre chien et chat. Monsieur Ruff Ruff. Il est les deux. Oh, un badigeonneur dans notre équipe. Sympa. Doudou, il s'appelle. On devrait me quitter pour ma troupe. Oh, waouh! C'est quoi cette arme là? Marqueur léger? Pourquoi le marqueur léger? Il m'a tué si vite. Oh, c'est pas vite hein, le marqueur léger. Non, j'aime pas. On gère pas, les gars, là. On gère pas, on gère pas. On est en danger, même, carrément. Ah, pourquoi j'espérais quelque chose? Ils ont pas encore détruit ma balise alors qu'on est. J'en ai caché une. Ouais, je vais pas aller tout de suite dans leur base en fait. Il y en a un au milieu qui se balade, tout seul, tranquille. Je sais pas ce qu'ils font, mes alliés. Je crois qu'ils se font tuer en masse. Oh, mais j'ai cru qu'il allait passer sous mon rouleau. Mais je pouvais rien faire, je crois. Je pense. Ils ont toujours pas détruit ma balise. Ah si, quand même, je viens de la voir disparaître au moment où j'ai appuyé dessus. Les gars, vous faites quoi, sérieux? Faut avancer. Arrêtez de rester dans la base. Il arrive ou pas? J'ai tué Maurice! Pas honte. Pas le moins du monde. Oh, ça fait ça, ok, faut pas. Je leur fais un petit coup de frousse. Pourquoi t'es pas mort, toi? Allez, les gars, il faut avancer là! Ça devient urgent! Ça devient urgent! Non, mais vous êtes sérieux? Mais pourquoi je suis devant si personne ne vient? Maurice. Bravo Jojo Zen. J'ai tué Luke. Mais c'est quoi ces armes qui me touchent? Avez-vous là, tous les amiibo? Non. Oh bon bah.
crains que... Oui, je suis virtuose en chant. Sérieux, le machin, il te tue en deux coups. Abusé. Au revoir, Nala. Je crains... Est-ce que les gens utilisent tes balises de saut cette fois, Lirae, ou elles sont encore seules et abandonnées? Le gars, il se fait toucher. Là, elles étaient pas utilisées, elles étaient encore seules et abandonnées. C'est bien quand ça arrive, ça. Surtout quand ta team, elle perd. Bonsoir, petite Lola-chan. Bon, on gagnait, je les pardonne, mais des fois, oui, là, il y avait un match où j'avais mis des balises, j'étais dans le camp ennemi, ils se faisaient spawn kill dans la base, les trois, je sais pas ce qu'ils attendaient. Bah désolé, Niki Toxique, mais les gens, ils sont tellement bavards que je n'ai pas vu ta question. La plus chère à moi. Elle t'a coûté combien? Le skatepark, Mako. En fait, c'est Kitor. What? C'est le chat de ma mère. Pas de mes parents. Mais non, c'est le dieu de l'Olympe. Oh là là. Le dieu... Mais non, mais je voulais dire le fils d'Odin. Enfin, j'ai pensé dans ma tête le fils d'Odin. Et du coup, comme je me suis dit, oui, mais... C'est pas le dieu... Et j'allais dire, c'est le dieu de l'Odin. Et mon cerveau, il s'est dit, mais non, ça n'existe pas, dieu de l'Odin. Du coup, j'ai dit... C'est le dieu de l'Olympe. Parce que voilà, merci cerveau. Bon. Trop de blabla tu le blabla. Mais oui, non mais arrêtez de parler. Pour rien. Mais les gens ils veulent parler. C'est pas fait pour ça un chat. Non, la liberté d'expression. Tu n'as pas le droit de dire, de les empêcher de parler. Oui, je sais, la liberté d'expression, blablabla. Non, on n'a jamais dit que le chat de Twitch, on avait le droit à la liberté d'expression. Sur ce chat en particulier. J'en ai marre. C'est pas bien d'en avoir marre. Tu joues à Splatoon, tu peux pas en avoir marre. Oui, mais je voulais dire j'en ai marre, je passe, mais je pensais pas mettre autant de temps à casser un mur. Il va m'attendre, lui. Même pas. Non! Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû continuer de grimper. Ouf! J'ai cru que j'allais mourir. Ah, les sauts, je vous déteste! Lirae, tu as déjà goûté de l'infusion avec du ginseng? Oui, c'est trop bon. Voilà. Je sais pas si on dit ginseng ou ginseng, mais c'est trop bon. Oups. Filéon, il m'a suivi. Oh, Léon. Je suis vraiment déçu. Ah mince! Je me suis fait avoir par Kaloum. Du coup, je sais pas si Niki... Ah oui, quelle est ta créature préférée de Splatoon? Les Inklings? Oui, mais peut-être que tu préfères les méduses. Ah. Ah, les Octolings, elles sont mignonnes, mais... Inkling un jour, Inkling toujours. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est pour nous empêcher de passer, au final, moi je suis venue de l'autre côté. Il a même pas détruit ma balise, qu'est-ce qui m'arrive? Pardon. Je m'excite pour rien. Oh! Prochain Splatfest, thé ou café? Pour moi, c'est fait, le thé, c'est la meilleure chose. Est-ce que tu aimes les steaks hachés Bigard? Oui. Tonnerre, j'arrive. Non, mais c'est bon, il a ouvert tout seul. Oui, bah, c'était le problème. Je crois que les gens ne comprennent pas le principe des balises de saut. C'est pas grave, Luna, et un jour, ils comprendront. Je crois que... Oui, j'ai lu. Pourquoi je pense à du gâteau au chocolat? Alors là... Moi, s'il y a des octalines, je laisse tomber. Inkling. Oh. C'est quel triste. Est ton amiibo préféré? C'est difficile comme question, parce que l'amiibo... Il y a plein d'amiibo qui sont cool. Est-ce que je peux ne pas répondre? Oh, je suis avec un niveau 46, waouh. Ça les gagne. Lirae, est-ce que t'as fait d'autres rêves bizarres récemment? Oui, mais je sais pas
Si je dois vraiment raconter, en fait, parce que c'est un peu gore. Oh, mais faut pas claquer les portes comme ça, Milu. T'es un rageux ou quoi? Mais non, mais les câbles, oui, par contre, ils me font rager. C'est qui, en fait, monsieur le Poyebot, mon ami? C'est Poyebot, Poyebot. C'est quoi votre manga préféré? J'aime beaucoup Yotsubato. C'est même pas l'Amiibo Meta Knight. Bah, l'Amiibo Harmony est très joli aussi. Et je trouve Dracaufeu. Et le Yoshi de laine rose, il est vraiment trop mignon. Et les Inklings aussi, ils sont vraiment super comme Amiibo. Enfin, c'est difficile de choisir. Pourquoi ton Amiibo préféré, c'est pas celui de Pete? Ou de Palutena? Oh purée, j'ai envie de dire le chat, mais du coup, je fais des bêtises. J'ai liquidé Martin. Martin. Je savais que t'allais dire ça. Oh, Martin Mystère, alors. Il y a quelqu'un qui veut me tuer. Et moi, à chaque fois, je fais ça. Il faut pas faire ça. Mais non, oui, l'Amiibo Peach aussi, elle est trop belle. Mon Amiibo préféré, c'est celui de Link. Ah. Bah oui, tu peux pas dire autrement après l'avoir vu à l'action. C'est vrai. Bon, j'aimerais bien avoir des adversaires. Je suis pas encore tombé une fois sur une team chambre. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur votre propre team. Non. Sur une team champ, donc. Bon, je veux les tuer, là. Hein. Oh, j'affronte Sacha. Est-ce qu'il est du haut pour palette? Ça, je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Je suis poursuivi. C'est chouette, alors. Mais ça va, j'ai un ami qui m'a sauvé. Du coup, je suis tombée amoureuse de lui. Mais non, mais sérieux, la Serre Goemon, là, je passe ma vie là-bas. Hein. Ah bah, c'est normal, je t'avais dit. Ah ! Pardon. Désolé, pour l'instant, je ne peux pas lire le chat. Je sais que vous avez tous quelque chose de super intéressant à dire. Oh mince, vous étiez trois là, sérieux? Non! Oh, je sais pas pourquoi, mais je le sens mal ce combat. Oh, j'ai eu de la chance! Derrière le mur, bon sang. Ah, dommage. Tu es quel rang, en fait? Bon, tu dois être virtuose, là. Moi? Oui. Ouais. Voilà. Ok. Tableau, Picasso. Bah, je crois, hein. Il me semble que ouais. Ouais, je crois. Ouais. Je résume l'IRAE, elle aime bien lire le chat, mais se plaint de ce que les gens écrivent. Alors non, je ne me plains pas de ce que les gens écrivent, mais j'aime pas quand subitement vous vous mettez à débattre sur est-ce que Ganondorf c'est le même dans tous les Zelda, alors que je joue à Splatoon par exemple. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui s'est passé pour de vrai. Mais voilà. Je trouve que c'est un peu inintéressant que vous débattiez entre vous et qu'au final, bah, ça sert à quoi que je stream si au final ça n'a plus de rapport. Mais... Merci Crystallange. Et Loufoque, on ne sait pas encore. Normalement, c'est possible que oui. On débat sur les amiibo avec Kirai. Oh là là, les quatre membres de l'équipe adverse sont morts. Ah, c'est bien. Bon, est-ce qu'un jour, des vers arriveront? Bon, le bambou, c'est l'arme la plus nulle que j'ai testée. J'ai servi à rien, je suis mort tout le temps. Eh, les gens qui savent utiliser le bambou, là, que j'ai affronté, enfin, qui savent, ils découvrent, hein, mais il y en a, ils gèrent bien...
C'est terrible, hein, un sniper qui tire aussi vite. Placement de produit pour eau de source. Non, Yol, je suis désolée, Poyobot. C'est l'ami de tout le monde et il ne se marie avec personne. Pauvre Poyobot. Il est gentil, mais il est drôle. Ouais, j'affronte une cerise. Est-ce que Milu est le même dans tous les lives? Non, c'est pas toujours le même Milu. Des fois, on doit changer parce que... Voilà. En plus, Yol, si tu veux parler mariage de Poyobot, il y a déjà eu quelqu'un qui s'est marié avec Poyobot, donc tu ne peux pas te marier avec Poyobot. Poyobot n'est pas infidèle. Je sais pas ce que je fais, je prends n'importe où. Ok. Il y a Flash qui a crash. Je sais pas ce qu'il faisait, Maxime, mais il a pas vu que j'étais en train de le frapper. Chouette, je suis encore sur la Sergoemon. Non mais je les enchaîne, c'est abusé. Ah ! Un saut ! Oh oh. Dommage. J'ai stressé parce que j'ai vu le vilain sniper. Oh purée, j'ai failli aller sous le rouleau de Maxime. On se balade entre Kraken. C'est la promenade du Kraken. Et mais il y tient à aller là-bas, Maxime, hein. Belle brochette de squid. Dommage. Il y en a qui sont passés. Non. Ouais, 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 ouais. Ah ! Oh, j'ai foncé dans la tornade là, c'était magnifique. Oh purée, ce massacre. Pauvre vert. Ça change tout de ne plus être sur Arowana. La base adverse, on dirait votre base, elle est tellement recouverte de votre peinture. Tu as déjà mangé des takoyaki? C'est de la pieuvre hors de squid, ce sont les calamars. Mais oui, j'ai déjà mangé des takoyaki. C'est bon les brochettes de squid. Oui, je savais qu'Hyrule Warrior allait sortir sur 3DS. Mais je vais pas être maudite, Crystal Ange. C'est pas moi qui suis maudite par le nombre 86. En fait, tes balises te servent bien. Oui ? Elle a jamais dit le contraire. Qui est le plus vieux entre Charbitre et Tonnerre ? Bah sûrement Charbitre. Et le plus dynamique ? Ça, je ne sais pas. C'est dur à dire. Ah, mais en ce moment, Atonner est un peu plus actif. Il a ses petites crises de folie à 2h du matin. Oui.
En fait, à Tonnerre, pour le rendre heureux, il faut qu'il sorte de chez lui. Il se rend compte, ah, mais purée, mais qu'est-ce que j'aime chez moi. Regardez comment je suis content d'être chez moi. Voilà, c'est ça, en fait. À Tonnerre, il doit sortir de temps en temps. Il faut l'emmener en vacances de temps en temps. Il y a une question. Quand est-ce qu'on aura poster nos bases secrètes de Ruby Saphir? Je sais pas, parce que Milu a toujours pas fait sa base. Moi, je suis en mode, oh, j'ai fait ma base, c'est trop bien. Oh non, mais en fait, je veux la faire là. Ah, mais je sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi on me verrait à Zelfou? C'est pas moi qui stream. C'est même pas ma chaîne. Alors je suis là, oui. Je sers à rien. Hein. Encore une petite vingtaine de points et je passe maître. Non mais bannissez-moi ça! Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est Blacky! Et bannissez-le! Ah! Oh purée! Une frame de plus et je l'avais tué! Non, on n'a pas vu ce qu'on débloque au niveau 40, 45 et 50. Mais le dites pas, sauf si Lyra elle veut le savoir. Bah non. Bon, elle veut pas le savoir, donc ne le dites pas. Si vous le dites, je vous bannis. Je verrai déjà. Je vous banne Death. De son chat, oui. Oh, dommage. Oh, ça y est, j'affronte une team champ. Mais non! Impossible! Ah, mais fan Mario, je moi plaisante et je suis même pas. Je suis pas sur. Je suis pas liré. Ah, bah ça va, je suis contre une team champ, mais je change pas de couleur. Moi. Tu l'as vrai. Ça veut dire que t'es la vraie team champ. Si on gagne, ça devrait contre. Y'a quelqu'un là! Un saut! Bah alors Carlos Game! Allez, en tant que membre Team Champ là, t'es. Vous êtes sérieux les gars? Vous êtes tous les trois morts? Mais pourquoi? Vous pouvez pas être morts tous les trois, vous êtes tous les trois au même endroit ou quoi? Merde! Allez, ça commence, l'hécatombe dans ma team. On est en train de gagner, je sais pas par quel miracle, mais. Ils sont tous en train de mourir, hein. Les uns après les autres. Ils tombent comme des mouches. Ah, mais d'accord, il y a le dynamo rouleau, le traître. Eh, bah, soit, je te laisse tranquille. Non! Eh, les gars, je m'occupe d'eux dans leur base. Faites votre travail. Oh, il y en a un qui a déco? Non, les. Bah, non. Dommage, j'aurais dû sauter. Je fais les pauvres, je les laisse pas avancer quoi. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Allez, je suis à 3 contre 1 et je gagne. Ah, c'est pas grave Miel7, moi ça me dérange pas de me faire raid dans mon chat. Non, Niki Toxic. Ah, il a gagné l'aide. Vous l'avez payé combien votre harmonie, vous? Bah, le prix de. C'était quoi, 12 ou 15 euros? Oh, au milieu, on t'entend plus. Ah ouais? Genre, plus du tout ou pas? Bah, ça a baissé. Ah ouais? Mais là, c'est redevenu bien. On dirait framboise versus kiwi. Je ne sais pas, Gollum, je fais pas attention. Pourquoi aimes-tu Meta Knight? Mais parce qu'il est trop cool, Meta Knight. T'es sérieux là, membre au rouleau de mon équipe? C'est hein traite de saut. C'est pas comme ça que ça s'écrit, saut. Est-ce que vous aimez les galettes? Non, j'étais avec une team cool. Les galettes. Ben, les galettes, ça dépend de quelle galette tu parles. Moi, j'aime bien les galettes à la pomme. Moi aussi j'aime bien les galettes à la pomme. Je suis devenu la bête noire du live par Milu. Bah ouais, mais en même temps. T'as pas choisi la bonne team.
Shovel Knight remplacera-t-il Meta Knight? Non. Mais pourtant, ah mais ouais, mais y a pas les ailes de chauve-souris qui poument Shovel Knight, alors du coup. Et si Shovel Knight avait des ailes de chauve-souris? Allez! Ah, ça faisait longtemps le lotissement filament. Je crois pas que ce soit une fille, Ichigo. Oh, je suis avec Gollum. Oh, trop bien. Mince. C'est bien que je démarre pas des trucs pour rien. Moi, je ne sais pas, j'en ai jamais goûté. De quoi ? Tarte à la rhubarbe. Ah ! J'ai pas le souvenir ! Purée, j'ai stressé, du coup, j'ai mis mon kraken. Oh, attention, le vilain. Oh, mais Gollum, il est maître en champ, en plus. Purée, tombe pas, Dirae ! Allez, go ! Oh, je suis encore sur la serre Goemon, c'est étonnant. Bon, les gens, hein. Oh, dommage. Ah, ça va, je suis content que ce soit toi qui stream, parce que si, comme ça, il y a un peu de diversité au moins, au niveau des stages. Alors, au niveau des stages, oui. Parce que bon... Je sais pas, mais là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu un autre stage que la serre Goemon, sérieusement. Oh, le lag. J'ai pas posé ma petite balise en plus. Quoi ? Ah, oh, dommage ! Ok, ok, pas mal, pas mal. Pas mal. Ok, le gars, il est pas mort. C'est pas par quel miracle. Non ! Je déteste ça! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai voulu me téléporter. Mais devine quoi? Il y avait un opérseur, donc je me suis juste fait exploser en arrivant. Ah oui, non, mais ça, c'est terrible. Je déteste ça. Le coup du opérseur. On a bien perdu. Ou du missile tornade. Ah non, mais là, tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Non, je fonce dans le opérseur! En plus, on a perdu à rien, quoi. C'est dommage. Mais t'as dit qu'on s'était bien fait exploser. Bah oui, mais je pensais, mais en fait ça va. Mince. Purée, il reste plus que 30 secondes, c'est chaud. Ah, je suis avec Paul. Tout va bien alors. Au revoir, Lunae. Paul, Jérémy, William, les gens sont très inspirés au niveau de leur pseudonyme. Oh, wait. Bah, je crois que j'ai perdu. Tu as Minecraft, Lirae? Non. Et Bani, c'est Blackie. Pourquoi Pyro, Lirae? Parce que Pyro, c'est le feu. Et j'aime bien le feu.
Mais Fire Lyrae, c'était pas très joli. Je trouvais. Il y avait bien Fiery. Mais Fiery Lyrae, c'était pénible à prononcer, je trouve aussi. Ah bah ça failla, hein. Fallait jouer plus tard. Ah oui, c'est ça qui est terrible, hein. Blacky, il utilise des techniques déloyales. Comment ça? Ah, il est modo, on peut pas le kicker. Ah. Et il dit qu'il gagne en plus, tu vois. Francesco! Non mais, je fais n'importe quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont cool les stages là. Ah, j'aurais pu l'avoir en plus! Vous voyez, on n'a pas besoin de jouer à un jeu qui fait peur pour que l'IRA. Un jeu d'horreur d'ailleurs, pas un jeu qui fait peur. Un jeu qui fait peur. Un jeu qui fait peur. Alors ça y est, je suis arrivé dans la phase de la Splatfest où je vais perdre à l'affilée. À l'affilée. Ah, t'es à la fin, c'est pour ça. Mmh. C'est ça. Voilà. Encore toi, Madju! Y'a que toi, Madju! Est-ce que Madju, c'est un mélange de Mathieu et de Julie? Et Julien, c'est pas possible? Non! Il nous faut le petit côté féminin, tu vois. Ah! Alors là, je fais n'importe quoi. Est-ce qu'il va détruire ma balise? Oups. Non, il a pas détruit ma balise! Fait tuer par Phil Collins, quoi. Bon. Oh, mais non, mais le lance patate là. Pire spécial du jeu, ça. Lance tornade. Je suis mal. Eh hey, mais le truc il m'a tué en un coup. J'ai pas rêvé. Quoi? J'en ai tué deux. Oh là là, toute la team mais adverse est morte. Je comprends pas comment on fait pour perdre parce que déjà les gens de l'équipe adverse ils savent pas détruire mes balises. Mais d'un côté. Ils sont plus que deux ou quoi dans l'équipe adverse? Remarquez. Parce que Madju il compte pour deux puisqu'il a deux pseudos, dans... il y a deux noms dans son pseudo. On était deux kraken en train de danser. Oh là là, on s'est fait laminer là. Honnêtement, bah, c'est ça qui est dommage du coup, c'est qu'on peut pas savoir s'il y a des gens qui ont été déco pendant la Splatfest. Mm. Ah, là je crois que ouais, ils sont plus que deux. Hein. Là je pense qu'on était trois parce que Jérémy il a fait 0 kill et il est mort 0 fois. Donc je pense qu'on était que 3. Et puis moi comme un kikou, j'ai vu le lance tornade et je suis resté fixe.